tiens, le céleri, il est tout flétri, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On met au compost? Ah non, le céleri, là, ben, il est beau. Là, j'ai un petit reste de courgette. Ben, ce que je propose, c'est qu'on fasse du céleri et de la courgette panée. D'accord. Alors, pour cela, il nous faut de la chapelure. Donc, ça, c'est donc le vieux pain que j'ai grillé au four. Et ensuite, je l'ai mixé ou tapé au rouleau. De l'herbe dans la cuisine, je sais pas ce que je vais en faire. Alors, c'est pas de l'herbe. Mais c'est pas les mêmes, si c'est Alors, les, ça, c'est les pas mêmes. Les mêmes. C'est du plantain. En alsacien, c'est Spitzwadri. Et Breitwadri, c'est un alicament, c'est un superbe légume qui vient d'Asie. Et en fait, ça va te permettre de te cicatriser la gorge. Et puis, ça va te donner un petit goût de champignon avec un trait d'amertume. Ça, on va le mettre dans la panure. Par contre, la courgette, comme c'est pas une courgette qui a reçu des produits, on va éviter d'éplucher. En général, les légumes, on les épluche pas. Parce que c'est juste entre la peau et le légume qui a des nutriments, quoi. Dont les vitamines. Dont les vitamines. On va tailler des tranches vraiment relativement fines parce que le céleri demande un petit temps de cuisson. Ah oui. Voilà. Ce que nous allons faire, c'est que tout de suite sur le céleri, nous allons mettre un petit peu de sel juste pour le faire dégorger. Et pareil, pour les courgettes, on va faire des fines lamelles. Je bats les œufs. Tu bats les œufs. Maintenant, nous allons plonger notre petite courgette dans l'œuf entier, dans la chapelure, et on refait un petit passage dans l'œuf. Ah oui. Et on reprend dans la chapelure. Ah, deux fois, il y a deux tours alors. Ouais, comme ça, c'est, on a une bonne panure autour, il faut que ça croustille, hein. Les enfants, ils aiment bien ça. D'accord. Donc Isabelle, voilà, on a pané nos petites courgettes et notre céleri. Mm-hmm. On va commencer par la courgette qui cuit le plus vite. Et ce qu'on peut faire en attendant le repas, c'est les finir au four et la cuisson va se finir tranquillement. D'accord. Quoi. Et voilà, nos petits légumes panés sont prêts. J'ai trop envie de goûter. Eh ben vas-y, le céleri. Alors le céleri pané, c'est à goûter, c'est super bon, c'est différent. C'est... Légèrement croquant. Je suis pas trop céleri à la base, mais là... Avec une petite salade, une petite sauce blanche, un fromage frais de chèvre. Et... Ouais, c'est le petit bonheur du soir. Super, délicieux.